Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une boîte de rangement pour cartes de marque eRaptor. C'est le modèle spécialement pour les jeux de cartes à collectionner d'une contenance de 5000 cartes. Alors c'est pas nouveau, ça fait un moment que j'en vends, mais c'est livré à plat non monté et là j'avais l'occasion d'en monter une. Donc j'ai voulu me faire plaisir, je l'ai fait, puis j'ai dit ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc je vous la montre montée. Alors je m'attendais à un truc hyper compliqué, hyper chiant, etc. Mais franchement, non, ça va, ça se fait assez facilement. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez donc les quatre, c'est livré, vous avez les quatre parois. Vous avez le fond, le couvercle, puis c'est en gros un peu du Lego, quoi, vous clipsez. C'est vraiment ultra, ultra simple. Vous avez les petites rangées avec des petits rails comme ça en plexi. Et vous avez, hop, alors ça fait un peu de bruit, hein, c'est du bois. Vous avez ensuite les petits séparateurs. Alors là, vous avez un petit film bleu que normalement vous pouvez virer. Là, je ne l'ai pas fait, c'est un petit peu chiant. C'est une petite pellicule qui permet de protéger le plastique dans le transport. Et vous en clipsez, enfin vous clipsez même, ça sera un peu plus français, directement dans les petites rainures et vous pouvez compartimenter, façonner la boîte un petit peu comme vous voulez. Vous avez quand même, hop là, pas mal de compartiments de fournis avec. Ils en vendent au détail en plus si vraiment vous voulez en rajouter. Mais enfin franchement là, il y en a déjà pas mal, je ne sais pas trop combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez, 6, 7, 8, 9... Hop, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Il y en a 25. Donc franchement, vous pouvez quand même ranger un petit peu comme vous voulez. Donc vous rangez à l'intérieur 5000 cartes, qu'elles soient sleevées ou non. Hop. Et puis au niveau... Alors c'est assez lourd, hein, donc là c'est un petit peu compliqué à filmer correctement. Mais voici au niveau... Hop, des côtés et au niveau de l'arrière. Alors je sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte de la taille, mais par rapport à ma main, c'est quand même assez gros, assez massif. Donc il faut penser à avoir, je sais pas, une étagère ou un meuble qui soit suffisamment grand. Vous pouvez pas trop empiler dessus, parce que le couvercle, c'est faire attention quand même. Mais voilà. Toc. Donc je trouve ça vraiment super classe. On a toujours moult cartes à ranger, pas forcément de boîtes spécialement jolies, bien adaptées, etc. Alors il existe les grosses boîtes en carton assez basiques, mais c'est quand même beaucoup moins classe que ça. Toc. Donc voilà, je vous laisserai le lien du produit dans les commentaires, et puis j'arrive à en récupérer assez souvent, donc n'hésitez pas. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine. Salut, salut!